que c'est lié? Oui, plus ou moins, mais c'est pas ça la priorité. Tu as un mental. Alors, au niveau mental, il y a plusieurs niveaux au mental, de plus en surface au plus profond. D'accord. Tu as des angoisses au niveau mental, profond, qui tournent en boucle, en boucle, en boucle. C'est pour ça que tu as le mental agité. Donc en fait, c'est comme si je te disais, bah, tu es sur un bateau en mer, tu commences à voir les vagues s'agiter, mais tu sais pas d'où ça vient. Tu sais pas si c'est une tempête, si c'est un ouragan, si c'est juste un bateau qui arrive, un méga grand bateau qui arrive, peu importe. Alors, pourquoi ton mental profond est agité? Parce qu'il y a des angoisses. Des angoisses par rapport à ton devenir. Tu te poses des questions sur... Sur quoi tu te poses des questions? Sur l'avenir, visiblement. Alors, angoisse, mais l'avenir, c'est un faux problème. C'est le passé qui te fait peur, c'est pour ça que tu fuis vers l'avenir. D'accord, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il y a dans ton passé qui te fait peur? Mais dans ton instant présent, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il y a dans ton instant présent qui te fait peur? De trouver une solution, d'accord. Tu préfères être... Ok, ta motivation profonde, c'est d'esquiver le passé pour mieux aller vers l'avenir. Et à aucun moment tu te poses dans le présent. Donc c'est ta manière d'esquiver ce que tu vis réellement et ce qui t'anime réellement dans le maintenant. Donc en gros, tu crées la situation bah, mentale, agite-toi à fond, va connecter des angoisses de mon passé pour moi que je puisse aller vers l'avenir. Donc en fait, c'est ton seul moteur, c'est ta seule essence, c'est ton seul carburant, voilà, c'était ça le mot. C'est ton seul carburant. Ça me dit derrière ta structure, me raconte que bah, tu sais pas forcément comment agir autrement dans la vie. Pour toi, l'action ne se fait que en réaction par rapport à quelque chose. Et c'est souvent quelque chose d'extérieur. Qu'est-ce qui est dysfonctionnel là-dedans? C'est que tu te fondes pas sur toi, tu te fondes pas sur tes propres ressources. Parce que alors, c'est presque la notion de toxicité, mais tout ce système que je viens de te décrire, c'est je ne suis pas adapté. Je ne peux pas toucher les autres parce que je vais les contaminer de qui je suis. Donc pour toi, l'humanité est quelque chose de sale, c'est un caca boudin, c'est un gros caca, et il faut vite tirer la chasse pour pouvoir vivre qui je suis. Sauf que toi, tu places le qui je suis sur... sur ton esprit. Et esprit, ça, pour toi, l'esprit, c'est la spiritualité. Donc tu poses ta spiritualité sur des dogmes inconscients de la vie, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Et pourquoi tu crées tous ces dogmes-là? Pour pouvoir te rassurer. Et pour pouvoir te séparer du mental, pas du mental, mais du corps. Parce que le corps intègre et condensifie, et condense, pardon, condensifie, et condense. En fait, bah, tout ce que tu es et tout ce que tu esquives de toi. Donc, l'info d'évolution pour toi, c'est redescendre encore. Alors, redescendre encore, ça ne veut pas dire que... Ah oui, d'accord, j'ai pas fini avec toi. Ok, l'info prioritaire pour toi, c'est que... Pour toi, retourner dans le corps, ça veut dire prendre les règles de l'esprit et l'appliquer sur le corps. Ah d'accord. Tu es obsessionnel. Tu as un côté obsessionnel pour cacher toutes les énergies de domination, de soumission, toutes les énergies primaires qui sont très utiles pour l'être humain et pour pouvoir bah, vivre dans la matière. Donc si quelqu'un t'attaque dans la rue, si t'as pas une énergie de domination ou de soumission, qui est clairement en place au niveau de ton corps, ça risque de mal aller, parce que tu vas faire une sorte de... non, bon, d'accord. Le silence me dit ta gueule, donc je vais pas aller plus loin. Donc derrière toi, ouais, c'est ça. Tu mets les règles de l'esprit sur le corps. Donc le corps n'est pas un espace de liberté, c'est un espace que tu dois contrôler, que tu dois avant tout régir pour pouvoir être bien. Donc, tu as une dynamique de Maso. Donc, plus je suis contraint, plus j'entrevois ma liberté. Plus les barreaux sont gros, épais et en titane,
plus je vais voir le par absurde et par jeu de paradoxe, je vais voir la lumière passer.